formation LMI est une formation pluridisciplinaire qui s'articule autour de quatre grands pôles. Le premier pôle, ce serait scientifique, avec des mathématiques, de l'informatique principalement, apprendre à coder. Le deuxième pôle, c'est de la communication, pareil, des supports de communication pour l'événementiel, pour apprendre à communiquer envers un certain public. Le troisième pôle, ce serait du graphisme. Donc le graphisme, c'est évidemment pour un site web, par exemple, apprendre à le rendre esthétique et adapté là aussi au public cible. Et puis le dernier pôle qu'on identifie, c'est audiovisuel, où là, les étudiants apprennent à sonoriser un produit multimédia, faire des vidéos et les intégrer. MMI est une formation très polyvalente. J'ai choisi cette formation car je suis très intéressée par la programmation et l'audiovisuel. En MMI, on a énormément de projets et en deuxième année, on est face à de vrais clients. Par exemple, cette année, j'ai pu participer à la création de l'identité visuelle d'une diététicienne ainsi qu'à l'élaboration d'un site web vitrine sur WordPress. Ce sont des projets qui sont très professionnalisants et enrichissants. J'ai été diplômé de MMI en 2011. J'ai ensuite intégré la licence pro concepteur intégrateur web à Paris. À la suite de ça, j'ai travaillé dans une agence web à Paris pour revenir dans la région et créer avec mon associé Damien une agence web qui s'appelle Zicom à Chambéry et à Lyon. Aujourd'hui, je suis développeur web au sein de ma propre agence.